m'appelle Natacha Banksali Fuentes et je suis mentorée pour Passeur de rêve. Mon nom est Mario Allard et je suis mentor pour Passeur de rêve. J'ai voulu aller dans une école de concentration musique, mais je n'étais pas assez forte pour l'audition. Ça m'a déçue. Je voulais en savoir plus. Je voulais un musicien. J'avais pas n'importe quel instrument, puis un saxophoniste, ça tombait bien. Parce que je suis une saxophoniste aussi. Puis j'aime beaucoup le projet. J'aime avoir un mentor, je me sens encadré. Il m'explique vraiment tout dans le métier. Puis ben ça, on a fait plusieurs trucs. On a été attaché à une assistée au cours d'improvisation ici, à la coop. Puis est venu aussi un enregistrement d'un démo avec une fanfare, avec des cuivres. Puis t'es venu voir mon band de corpo pour une soirée, le soir, le samedi soir. Puis t'es venu assister à un cours d'impro ici pour la semaine passée. Puis aujourd'hui, c'est un cours de saxophone. Tout le monde pense que le métier de musicien, c'est très rare et pas accessible, mais non. Il y a beaucoup de métiers dans le domaine de la musique. L'enregistrement, le musicien. T'étais bien intrigué par le gars qui enregistrait, tu sais, comme le boot, là, ou que l'ingénieur de son travaille, puis tout ça. Je pense que c'est ça que tu me disais que ça t'avait bien intrigué, puis que t'avais bien aimé ça. Parce que j'ai toujours voulu aller en avoir un, mais je savais pas comment, j'avais pas l'occasion. C'était fun. Ouais, ça n'avait pas tous les jours au studio. Là. C'est comme. Ça avait tombé. Là, on avait un bon studio avec une fanfare. Ça, c'était spécial en plus. Tout le monde achetait avec des bands ou trucs. Mais là, avec une fanfare, là, c'était spécial. Puis c'est Studio 270 sur Saint-Grégoire. C'est un beau studio. Fait que ça pose des questions à l'ingénieur. Puis tout. C'est quoi le cheminement. Puis tout. Okay. Intéressant. Ben j'aime ça, je trouve ça le fun d'être mentor, c'est le fun. Parce que ben, comme je disais à Natacha, c'est qu'elle est venue voir un aspect du musicien qui n'a pas grand monde ont l'occasion de voir, ni même ma copine en fait. De venir voir comme des shows, venir voir des enregistrements, venir voir des cours. C'est comme. Il y a pas grand. En fait, je connais pas sérieusement dans mon entourage, ni même ma mère, je pense pas qu'elle a vu autant de facettes de mon métier. Donc, je trouve ça intéressant de le montrer à quelqu'un. Ça peut l'encourager, ça peut lui montrer des choses différentes que de jouer du sax, tu sais, parce que ça comporte. C'est pas seulement jouer du saxophone, être musicien. Il y a de l'enseignement, il y a du studio, il y a toutes sortes de trucs.